Chères sœurs, chers frères, Dieu nous a voulu un grand bien en nous faisant parvenir jusque Ramadan. Le mois de miséricorde et de récompense à profusion. Ce mois est la concrétisation des résolutions personnelles et le tremplin des aspirations. Ensemble, dans la bénédiction de notre fraternité, n'ayons pas peur de laisser nos aspirations s'envoler pour toucher du doigt l'amour suprême. Ce mois est aussi une belle réponse à la société de surconsommation dans laquelle nous vivons. Le peu nous suffit. Les marqueurs de bonne santé d'une société libérale et en recherche de croissance à n'importe quel prix ne font pas partie de notre liste de Ramadan. Et pourtant, quel bonheur indescriptible de propager le sourire, de manger moins pour laisser nos aspirations spirituelles s'élever, de se baigner dans des rassemblements fraternels à travers Tarawih, I'tikaf et autres, de donner sans attendre en retour. Autant de marqueurs qui ne se soucient ni de croissance et qui tranchent de l'attitude égoïste et individualiste qu'une société libérale, en bonne santé, a intérêt à développer pour générer de la valeur financière. Chères sœurs, chers frères, générons de la vraie valeur, celle que nous retrouverons dans la vie dernière, celle qui se matérialisera en créature agréable, nous accompagnant dans la solitude de la tombe ou sur le pont de Sira. Puisse le Ramadan être le mois de miséricorde et de bénédiction, qui rayonnera l'espoir au sein de la communauté musulmane mondiale dans les pays les plus éprouvés. Puisse Ramadan être l'occasion de construire l'alternative mondiale au modèle matérialiste du calcul terre à terre et ouvrir ses portes à toutes les bonnes âmes qui ont soif de vérité.